Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête qui pour la peine aura le droit à des questions zoologiques, Laurent Baffy. Une grosse tête qui accroche sur certaines consonnes, mais en revanche, les merdes sortent toutes seules, elle le dit très bien, Isabelle Mergault. Ok. Bonjour. Ah bah ça aussi, ah bah non, ça sort mal, vous voyez. Une grosse tête qui ne sera jamais vaccinée contre le journalisme, Christine Ockrent. Une grosse tête qui compense la fermeture des théâtres par l'ouverture des jardineries, Élie Semoun. Ah ouais. Une grosse tête qui a préféré devenir pensionnaire des grosses têtes que sociétaire de la Comédie française, Michel Faux. Et une grosse tête qui prouve ici qu'il est large d'esprit aussi, Bernard Mabille. Bonjour. Ne laisse pas faire, Bernard. Non, mais je me laisse pas faire. Ne parlez pas à Bernard Mabille, parlez plutôt, monsieur Semoun, même si vous avez été très désagréable sur les présentations avec Laurent Baffy qui fait son retour aujourd'hui. Vous devriez être content. Bah, oui, c'est vrai que je l'ai insulté, j'ai traité de minable et de lamentable, mais il sait que je ne l'apprécie guère. Voilà. Donc, ouais, comme enfin, ça, tu c'est dis clair. Ça parce que t'es loin de lui aussi. Ah. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est bizarre, je suis pas à la place. C'est vous qui m'aviez dit, ce serait bien qu'il ne vienne pas pendant quelques mois. Exactement. Moi, je vous ai écouté. Alors voilà. Je savais d'où ça venait. Je voudrais juste dire, je ne sais pas si j'ai manqué à la radio française, mais la radio française va manquer follement, éperdument. Oh, le Annie Girardot du douloureusement. Ah bon, on a la Annie Girardot qu'on peut, hein. Madame Marguerite. Vous étiez avec Karine Le Marchand le samedi, Laurent Baffy, la radio vous en avez fait quand même. Vous êtes sûr de cette histoire? Ah, sûr. Oui, oui. Sûr, rien du tout. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait cette émission. J'étais invité avec Hélène Darroze. Ah, voyez. Et j'étais à chaque fois que j'essayais de faire des confidences, etc. J'avais oh, toujours chiant, une petite bite, c'est Moon, etc. Tout le temps. C'est toi qui l'as plombé, l'émission. C'est une très bonne émission. Karine est formidable. Pourquoi tu te remets pas? Alors, on va s'engueuler, Christine, hein, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, franchement... Enfin là, pour le moment, ils sont assez plats. Hein, elle a raison, Christine. Moi, je voulais un véritable affrontement. Un véritable combat? Ah bah oui. Tu veux qu'on élève le ton? Eh ben moi, je vais élever le ton. Alors, et t'as de la chance que je sois à 2 mètres de toi, parce que... Ça tombe bien, j'ai mon planning. Hein, voilà.